Aujourd'hui, je me prends 5 minutes pour... Mais... Nathalie sur Stéréo Chic. À chaque fois, je me fais avoir, je ne m'attends pas à ça. Non, il est vraiment bien, il a il est sourire. Parfait, tu me l'enverras. Si tu veux. Je me fais... C'est génial, je me fais rire. La nana, elle s'auto-kiffe. Allez, oh, mais bon, à toi alors. De bosser. Allez, on y va. Aujourd'hui, je me prends 5 minutes pour moi toute seule avec Sarah Rebecca et son morceau Nightliners. Sarah Rebecca, c'est une petite nénette. Alors, dans la dégaine, elle ressemble un peu à Blondie. Visage pâle, cheveux blonds peroxydés, au carré un peu ébouriffé, super petite bouille. Vraiment une petite gueulette artiste. Elle vient à la base de Ocean Spring, qui est une ville du sud conservateur des États-Unis, et à 18 ans, alors c'est marrant parce qu'elle a fait le mouvement inverse de beaucoup de personnes chez nous. Elle a quitté les États-Unis pour venir en France pour faire de la musique et de la musique électronique, et notamment à Paris, parce qu'elle trouvait que le berceau était là. Une fois récemment, on parlait de la French Touch, mais je pense qu'elle avait été inspirée par tout ça. Mmh. Elle est compositrice électro, mais ses premières armes, elle les a fait plutôt en tant que featuring, c'est-à-dire qu'elle s'est associée à des gens plus reconnus dans le milieu, elle a prêté sa voix. Vous allez voir, elle a une voix cristalline. Moi, elle me fait énormément penser à Kate Bush. Alors, ce serait une Kate Bush apaisée. Hein. Kate Bush, elle est remontée. Elle est quand même plus soft, plus suave, plus sensual, tu vois. Bon, ou alors, pour les experts de musique de label indépendant, Bat for Lashes, que j'avais déjà chroniqué ici. Voilà, c'est un peu le même esprit. Donc elle a collaboré avec Slove, qui est un duo français électro. Elle a collaboré aussi avec French 79. Je vous conseille d'ailleurs, donc French 79 en français, je vous conseille, si vous voulez écouter un petit track où il y a la voix de Sarah Rebecca, mais fait par un artiste de folie, vous trouvez le morceau qui s'appelle Diamond Veins, les veines de diamant, hein, Diamond Veins, de French 79. C'est une petite pépite. Et donc du coup, bon, elle a fait toutes ses collabs, elle a bien vu la valeur ajoutée qu'elle a portée au morceau, puis elle s'est dit, j'ai envie de faire mes propres morceaux. Et elle a sorti l'année dernière son premier album qui s'appelle Can't Explain, je ne peux pas expliquer, hein. 15 titres formidables, fabuleux, de l'électropop, léché, bien produite, progressive, agréable, des morceaux plus sexy, des morceaux plus perturbés, mais vraiment un ensemble hyper cohérent. Si je dois vous conseiller un deuxième morceau en plus de celui qu'on va écouter là, c'est un morceau, moi il m'a tapé dans l'oreille, il s'appelle Raining in Love. Et en gros, elle s'est entourée de pointures, hein. Elle s'est entourée forcément d'un des deux membres du duo Slove, pour qui elle avait déjà collaboré, et elle s'est entourée d'une petite nénette qui faisait partie aussi de Tristesse Contemporaine, et ils l'ont aidée à produire son album. Je vous assure que pour un premier, on voit qu'elle a été bien drivée. Et puis moi, alors ce morceau-là, pourquoi ? Écoutez la ligne de fond, une espèce de ligne de basse musicale, moi ça me rappelle, mais c'est avant le Covid, hein, ça me rappelle mes soirées bruxelloises quand je sortais au Mirano, dans le centre de Bruxelles, une boîte électro extraordinaire, et c'est vraiment la musique qu'on écoutait notamment à Bruxelles. Bim, quoi, bim. On va écouter tout de suite. Logiquement, la tradition veut que je dise une petite connerie avant qu'on écoute le morceau. On va. Sarah Rebecca, c'est qui son prénom ? C'est Sarah, c'est Rebecca. Oh, pas mal. C'est pas. Oh, ça va. C'est pas la meilleure. Bah, c'est en direct aussi. Oui, c'est ça. On fait ce qu'on peut.